La ville de Wayuguia a marqué une pause afin de prier pour la paix au Burkina. Lecture du Coran, imploration d'Allah et bénédiction des autorités de la transition, des moments de prière et de communion à l'initiative des commerçants de la ville, de concert avec des guides religieux. Un fonds a été collecté sur place pour l'effort de paix. Moussa Ki, le commentaire. Mobilisation des grands jours à Wayuguia pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. Le temps est ici aux communions, commerçants, guides religieux, responsables des mouvements de soutien à la transition. Tous implorent à l'unisson Allah pour le retour de la quiétude et des valeurs du vivre ensemble au pays des hommes intègres. Nous avons adressé cette prière à Dieu afin qu'il éloigne le mal de notre pays. Nous appelons tous les Burkinabés à s'unir contre ses ennemis de la nation. C'est une grande prière aujourd'hui. Nous demandons à Dieu de protéger le chef de l'État et tous ceux qui se battent pour un bon vivre dans notre pays. Pendant 2 heures d'horloge, ces hommes et femmes enchaînent lecture de Coran et bénédiction à l'endroit des autorités de la transition et surtout des forces combattantes engagées pour la libération totale du territoire national. Nous ne voulons que la paix, que Dieu favorise cela au Burkina Faso, qu'il châtie et éloigne ces terroristes de notre patrie. Pour l'occasion, les commerçants et les responsables musulmans contribuent au fonds de soutien patriotique avec la somme de 2 310 000 francs CFA et les rendent également un hommage aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie.